à tous, on est samedi 16 mars, Martin a l'air tout concentré, il fait super beau et super chaud et c'est marrant parce qu'il ne fait que 14 degrés, mais c'est 14 degrés chaud. Ouais, c'est super con parce que 14 degrés c'est toujours 14 degrés, mais voilà quoi, c'est comme le kilo de plume et le kilo de plomb, mais c'est vrai qu'on a vraiment cette impression de chaleur et on va tomber nos vestes. Là on est devant la piscine, on est à l'heure, pourtant on est parti, il me semblait un peu à la bourre mais pas du tout, et on a eu le temps d'aller récupérer l'overboard de Tintin qu'il faudra mettre à charger pour cet après-midi. Ouais, t'as l'air rayonnant. Bon allez, on va se changer, allô, c'est parti. 13h12, on est de retour à la maison. Comme on était sur Amboise, on en a profité pour aller chercher ce qui manquait chez Leclerc. Et puis, c'est notre nouveau petit rituel. On est passé chez Picard, je vous montre. On n'avait plus de café en grains, donc j'ai pris celui-là. Il y avait 34% en... Alors, il y avait écrit en ticket Leclerc sur le chocolat. C'est aujourd'hui, enfin, c'est tout le week-end. C'est hier, aujourd'hui et demain pour ceux qui ont les magasins ouverts. Voilà, puis ceux qui participent à la promo. Et en fait, les 34%, ils ont directement été déduits. Donc, c'est pas mal parce que ça, c'est devenu super cher. Mais voilà, on aime tous bien ça pour Pâques. Du coup, j'ai pris un comme ça pour l'amoureux d'Élise, un comme ça pour l'amoureuse de Martin, un comme ça pour offrir, un comme ça et un comme ça pour mes chéris. Et on n'avait plus d'allume-feu pour le poêle. Ça va quand même encore servir un petit peu. Voilà, on a pas mal, nous, de petits moucherons à la maison, donc j'ai repris des rubans, ça fait pas classe, mais c'est efficace, c'est tout ce qui compte. Ceux-là, ils vont partir au congèle parce que hier j'ai fait un tiramisu, mais on aura ça pour dans la semaine. Ça, c'est trop trop bon à l'apéritif, et puis c'est trop rapide à l'air fryer, donc j'ai pris ça. Martin s'est choisi de nouveau les frites à la graisse de canard. Voilà, elles sont plus grasses, mais elles sont vachement bonnes. Alors ça va parce que c'est un petit paquet, donc on ne peut pas trop s'en bourrer. Et on a pris un gros paquet de frites comme ça. Et des petits pains pour demain matin. Aussi à l'air fryer, c'est rapide. Donc hop, au congèle. Le midi, c'était pratique et en même temps, ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas mangé. Ce sont des boulots avec soit de l'emmental, soit du parmesan. Tout dépend la préférence de chacun. On est venu prendre le goûter et surtout tester l'overboard de Martin. Ils ont retrouvé leur pont et une gourde qu'ils avaient oubliée aussi. Super solide. Ouais. Tu peux même essayer. Martin, viens, regarde. Mais moi, je pèse lourd. Hein. On peut tenir à deux. Vas-y, Martin. T'as vu? Super. Bon, et on vous montre juste l'overboard de Martin et apparemment il ferait de la musique, mais du coup, comme forcément il est d'occasion, il n'a pas été livré avec la notice, donc il va falloir que je cherche, comment ça fonctionne et comment ça se met. On vient de rentrer à la maison, finalement on a réussi à mettre la musique sur l'overboard de Martin, il suffisait de brancher le wifi, en plus l'appareil le dit quand on le met en route, on n'avait pas fait attention. Donc c'était super cool. Oui. Ouais, encore plus cool. Ouais. Quand on est arrivé sur le parking, il y avait une voiture, un couple, enfin, je suppose, et... oui, c'est ça, les sept gosses observateurs, et voilà quoi, donc ils ont passé tout leur temps dans la voiture, pendant que nous, on prenait le goûter et bon, voilà, et qu'ils faisaient de l'overboard, et puis voilà, à un moment donné, ils ont juste ouvert la fenêtre pour jeter des mouchoirs. Et pour jeter des papiers de gâteau. Ils faisaient tellement beau, ils sont restés dans la voiture. Oui, les petits cochons, ouais. Mes enfants, ils faisaient des remarques horribles. Ils avaient les fenêtres entrouvertes. Ouais. Ils voulaient aller ramasser. Ils me disaient, ouais, ils se sont mouchés. Ils ont jeté les mouchoirs par la fenêtre. Comment vous dire? Non. Sécrétion nasale ou pas. Il est hors de question d'aller ramasser ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est dégueu. Hein. Ouais. Ouais, c'est dégueu. Bon, ce soir, c'est soupe pour tout le monde et un petit peu de flambe baguette pour les loulous. Ouais, ça vous va? Bon, sinon, il n'y a rien d'autre, hein, de toute façon. À tout, ça va, j'aime ça. Mais bon, il y a intérêt. Alors. Je suis sûre que c'est pour moi. Je suis sûre que c'est pour toi? Oh, c'est orange. Oui, tu avais choisi. Hein, on avait regardé ensemble. Il y avait une petite jante
Je savais même pas que c'était arrivé parce que... Voilà. C'est super joli. C'est super joli ? Oui. Tu aimes ? Ouais. Bon. Bon, il est tout simple. Mais t'as vu, c'est des paillettes. Ouais. Des petits strass. C'est celui-là que moi j'aimais bien. Ouais, celui-là, il est trop beau. Hop. Ah, bah il est court. Hein. Ça fera crop top. Crop top. C'est trop beau. J'aime bien ce fond dégradé. Ouais, que pour les vacances. Hein. Oui. Ça sera bien qu'on va faire le week-end. Ça, c'est pour Tintin. Ça, c'est pour Tintin. Tu vois ce qu'ils ont à faire des t-shirts courts. Donc toi, tu vas être contente, quoi. Ouais. Ouais. Moi, pas. Hop. Et ça, donc, c'est pour Tintin. Mais ouais, ils écrivent pas dans les descriptifs. Moi, je suis super déçue. Il y a voir là, que voir les... Pour les vacances. Hein. Bon, bah c'est tout. Ouais. On n'a rien de plus à raconter. On n'a rien fait de folichon. Voilà. Et ben, je pense qu'on continuera du coup cette vidéo demain parce que ça doit pas être très très long. Je vous fais plein de gros bisous. À demain. Pour ce dimanche midi, et ça fait de la buée sur le téléphone, c'est du bœuf aux oignons avec du riz cantonais que j'ai fait moi-même avec mes petites mains. Tout le monde se réjouit. Martin, si présent mais pas présentable, ne tient plus. Voilà, bon appétit. Bon, on est juste venu au parc, évidemment, sortir les overboards. Et bon, on a emmené le goûter, donc de l'eau, du gâteau. Ce matin, j'ai pris... 5 minutes pour faire un gâteau yaourt tout basique, encore avec les pépites qui sont restées au fond. Et on a emmené des bananes. Ça y est, on est de retour à la maison. En fait, donc évidemment, tout le monde avait pris sa douche. Moi, je me suis dit, oh, je me maquille pas parce qu'on va aller, comme d'habitude, voilà quoi, sur le parking de la salle communale. Et puis, il n'y a jamais personne, tout ça, tout ça. En fait, il y avait... sûrement une fête pour troisième âge dans la salle, voilà. Donc du coup tout le parking était pris, enfin voilà, c'est normal quoi, c'était occupé. Et donc du coup on est allé au village d'à côté pour qu'ils puissent faire de l'overboard. Et forcément il fait beau, il faisait bon, je vous ai mis la photo d'Alexa, il faisait 19 degrés, franchement c'est super agréable, on est sorti qu'ensuite et c'est super. Et forcément dès qu'il fait beau, surtout les premiers temps quand il fait beau, les gens prennent plaisir à ressortir parce qu'après, enfin comme vous le voyez si vous me suivez depuis longtemps, on est toujours éternellement tout seul, mais c'est vrai que le retour au beau temps ça pousse les gens à sortir. Et voilà, donc en fait on est tombé sur des gens qu'on connaissait et moi dans cet état, voilà. Bon, c'est pas grave, les enfants ont pris plaisir, ils ont joué. J'ai fait un gâteau parce que bon, mardi, mercredi, bah, il sera mangé, ils seront contents. Et puis comme ça, ils mangent un peu moins de cochonneries. Hein, il me fait comme ça. Et voilà, ce soir, ben, c'est soupe et puis flambaguette. Enfin, bon, un week-end pas très, très chargé. Ce matin, j'ai fait une machine, plié le linge, fait à manger, on a fait les devoirs et c'est à peu près tout. Après le repas, je suis allée me reposer un petit peu et puis je recevais des SMS de ma progéniture pour me dire on peut aller au parc, tout ça. Voilà, donc c'est vrai que mes enfants ont toujours besoin de beaucoup bouger et c'est bien, c'est stimulant et en même temps c'est fatigant, je sais pas, ça dépend du point de vue ou de la journée, mais voilà. Je vais donc clôturer là cette vidéo. J'ai visiblement un chat dans la gorge. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous aurez passé un bon week-end et je vous souhaite bon courage pour la reprise de cette semaine. Salut à tous !